Bonjour, bonjour, dites un bisou à un jeune zèbre du nom de Zou. Papa et puis Nanou, va vite aussi leur faire un coucou. Oh, 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 oh. Zou, j'ai un ami, Zou et vous. Zou, j'ai un ami, oh, oh. Zou, j'ai un ami, Zou, c'est tout. Zou, j'ai un ami, c'est Zou. Zou est le jeu des couleurs. Carottes, un concombre, trois pommes de terre et deux branches de brocoli. Autre chose? Non, je pense que ça suffira. Bon, je vais dire à papy que je suis prêt. Papy! Papy, j'ai fait la liste des commissions. On peut y aller maintenant. D'accord, j'arrive. Bonjour Elzé. Bonjour Zou, je voulais te montrer ma nouvelle balle en caoutchouc, regarde. Waouh! T'as envie d'essayer? On y va. Je ne peux pas jouer maintenant, je vais chez Monsieur Zoé avec Papy. Le magasin de Monsieur Zoé est juste à côté, on ne sera pas long. On pourra jouer avec ta balle en caoutchouc quand je reviendrai. Bonne idée, alors je t'attends Zou, mais essaie de faire vite, d'accord? À tout à l'heure. Allez Papy. Hé, hey, pas si vite. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour, Zou. Pourquoi es-tu pressé comme ça? Je dois acheter ces légumes pour mamie. Et Elzé m'attend à la maison. Et j'ai promis de faire vite, alors. Bonjour, Zou. Ah, bonjour, Zach. Bien le bonjour à vous, Monsieur Zoé. Comment allez-vous aujourd'hui, cher ami? Bien, bien. Un peu essoufflé. Ce n'est pas facile d'essayer de suivre ce petit zèbre-là. Venez donc dans l'arrière-boutique vous asseoir un petit moment. C'est très aimable, je ne dis pas non. Oh, et moi qui ai promis à Elzé que je ferai vite? Je peux t'aider si tu veux. Vraiment? Ensuite, deux brocolis et ce sera tout. Oh, du brocoli, du brocoli. Et il y en a là. Oh, 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 oh non. Attention. Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce que... Vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, je suis allée trop vite pour montrer où était le brocoli à Zach et... Ce n'est pas grave, Zou, il n'y a pas de mal. On aura vite fait de ranger tout ça. Mais ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais non, pas du tout. Ce sera vite fait et très amusant. Oh, oh, oh. Si on joue au jeu des couleurs. Au jeu des couleurs? Oh. C'est facile. 1. On ramasse un fruit ou un légume. 2. On vérifie la couleur qui, dans ce cas, est... jaune. 3. On le dépose... dans le seau jaune. Prêt à jouer au jeu des couleurs? Oui. Je pourrais avoir deux brocolis maintenant, s'il vous plaît? Bien sûr.
Tu peux rentrer maintenant. Je rapporterai les courses à mon rythme, c'est-à-dire tout doucement. Merci, papy. Au revoir. Élsée, me voilà. On peut jouer maintenant. Je t'avais dit que tu ferais vite. J'ai essayé, mais j'ai renversé plein de fruits et de légumes. Et Zach et moi, on a dû tous les ramasser. Heureusement, papy nous a montré le jeu des couleurs et... Le jeu des couleurs? Ah, c'est vraiment drôle. Tu veux que je te montre? Oh oui! On peut utiliser les légumes qu'on a achetés chez Monsieur Zoé, mais d'abord, on doit trouver quelque chose pour remplacer les seaux. Viens! Ici, ça. Où est passée sa boîte? Oh, qui a enlevé la corbeille à papier? Oh. Mais enfin, où est passé son pot? Je suis sûr d'avoir laissé ma boîte à outils ici. Et maintenant, les légumes! Je pourrais avoir des légumes, s'il te plaît, mamie? Des légumes? Mais ils sont en train de cuire. Je vous prépare une délicieuse soupe. Oh! En attendant, je vais réparer la lanière de mon tablier. Alors, on peut pas jouer au jeu des couleurs, finalement? Oh, mais si, on peut! Allez, viens! Celle-ci est rouge! Orange! Vert! Jaune! Est-ce que quelqu'un aurait vu ma boîte à chapeau verte? Et le pot de fleurs rouges? Et ma boîte à outils jaunes? Et la corbeille à papier orange? Oh, je n'ai pas vu! Ma boîte à couture a disparu aussi! Oh. Vert, rouge, orange! Ah! Je crois que je commence à comprendre ce qui s'est passé! Vert, jaune, ça c'est rouge! Orange et vert! Ma boîte à chapeau! Ma boîte à outils. Le pot de fleurs. Oh. Et voici la corbeille à papier. Oh, je vais enfin pouvoir réparer mon tablier. Dites donc, les enfants, vous ne croyez pas que vous auriez dû demander la permission avant de prendre tous ces objets? Oui, mais... Oh, regardez! C'est exactement ce qu'il me faut pour terminer mon coussin vert pour le canapé. Oh, oh, le bouton de mon imperméable. Je l'ai cherché partout. Je pensais que je n'arriverais jamais à retrouver la fermeture éclair pour mon sac orange. Oh, c'est la couleur idéale pour mon tablier. Eh bien, j'ai l'impression que vous avez réussi à aider toute la famille, finalement. Alors, on peut continuer à jouer au jeu des couleurs tous ensemble. Je suis bien d'accord pour jouer, Zou. Mais pour cela, il faut que tu nous expliques les règles. Bien sûr, c'est très facile. Hein? On ramasse un bouton, un ruban ou une fermeture éclair. Deux, on vérifie la couleur, qui dans ce cas est... Jaune!
3, on le dépose dans la boîte à outils jaune. Vert. Et ça, c'est rouge. Et vert. Rouge. Oh, et une jaune. Rouge. Jaune. Oh, rouge. Et encore du jaune. Oh, vert. Jaune. Et moi, j'ai du rouge. Vert. Rouge. Zou joue à cache-cache. Zou. Hé, Elsée, tu tombes bien. On allait commencer un jeu. Génial. À quoi on joue? À un jeu qui demande de la concentration, de la patience et de la ruse. C'est cache-cache. Youpi. Et vous savez comment on joue? Tu peux nous rappeler les règles? Elsée a peut-être oublié. Oh, ça m'arrive aussi d'oublier des choses. Eh bien, les règles sont très simples. L'un de nous trois va fermer les yeux et compter jusqu'à 20. Pendant ce temps-là, les autres joueurs vont se cacher. Et après, celui qui compte doit les chercher. Exactement. Alors, qui veut chercher en premier? Moi, moi. C'est moi qui vais compter. Ah, et pourquoi toi et pas Elsée? Parce que je sais très bien compter. Et en plus, j'adore chercher les choses. Et Elsée est très forte en cachette. Eh bien, c'est d'accord. Mais faisons deux manches, entendu? Et il y aura une très belle récompense pour le gagnant. D'accord, je vais compter. 1, 2, 3. Je vais me cacher derrière la barrière. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça y est, j'arrive. Haha, je t'ai vu. Tu m'as trouvé. Oui, et maintenant il ne reste plus qu'à trouver papy. Oui. Mais où est-il? Dans le garage. Oh. J'ai oublié ça. Bah, papy, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, eh bien, je fais le tri dans mes affaires. Mes outils de bricolage sont tout mélangés. Et oh, mais que font ces vieux draps noirs ici? Mais tu es censé être caché. Ah? Oh oui, j'avais oublié. Bon, je t'ai trouvé alors. C'était pas dur, avec tout ce bruit. J'ai gagné. Ouais, je peux avoir ma récompense? Oh, minute, papillon. On a dit qu'on jouait en deux manches. Eh bien, maintenant, c'est à mon tour de compter. Allez vous cacher. 1, 2, 3, 4. Où est-ce qu'on pourrait se cacher? T'as une idée? Oui, je sais. Dans ma maison. 7, mais dépêchons-nous. 8, 9, 10. On ne peut pas se cacher là ensemble. On ne va jamais tenir tous les deux. Même si on se met à quatre pattes? On peut essayer. 15, 16, 17. Poc, c'est bon? 18, 19, 20. Les enfants! Je viens vous chercher. Vite, ça ne va pas marcher. Trouvons une autre cachette. Oh, je sais. Allons chez Nanou, derrière ces rideaux. Oui, allons-y. Oh, bonjour les enfants. Quelle joie de vous voir. C'est gentil de venir me rendre visite. Nanou, on n'a pas le temps de faire des bisous. Il faut vite qu'on se cache. J'arrive. Vite, ton grand-père arrive. Bon, dans ce cas, vous feriez mieux d'entrer. Super. Je ne ferai pas le moindre bruit pendant que vous vous cacherez. Il ne nous trouvera jamais ici. Où est Poc? Il ne joue pas avec vous? Oh, mais si, bien sûr que si. Excuse-moi, Poc. Attention, j'arrive. Ça va, là-dedans? Vous n'êtes pas trop serré?
Non, ça va. Mais chut, Nanou, papy arrive. Tu vas nous faire repérer. Il faut qu'on soit très silencieux, sinon il va nous trouver. Oh, dans ce cas, je ne dis plus un mot. Mais je manque à tous mes devoirs. J'aurais dû vous proposer une bonne tasse de chocolat chaud. Oh, vous avez soif, les enfants? Mais non, Nanou, on joue à cache-cache. Oh, mais oui, bien sûr. Oh, est-ce que je suis bête? Vous êtes sûre? Je fais d'excellents chocolats chauds. Si elle continue de parler, papy va nous trouver en moins d'une seconde. Je suis presque là. Écoutez, je vais quand même vous préparer un bon chocolat chaud. Et je vais en faire aussi pour papy. Comme ça, quand il arrivera. Mon petit sabot me dit que la cachette des jeunes zèbres n'est pas loin d'ici. Coucou! Oh, ça ne compte pas, papy. Nanou t'a aidé. Moi? Tu veux bien qu'on recommence? Allez, d'accord. Un, deux, Où est-ce qu'on peut se cacher? On pourrait aller chez moi. Oh oui! Papy ne pensera jamais à nous chercher là-bas. Désolée pour le fouillis. Ne t'inquiète pas, ce sera encore mieux pour trouver une cachette. Dites-moi, les enfants, vous ne seriez pas en train de jouer à cache-cache tous les deux par hasard? Oui, où peut-on se cacher? Voyons voir. Et pourquoi pas dans ta chambre? Restez bien tranquille et je ferai comme si je ne vous avais pas vu. Merci, maman. Oh. Oh. Ça, c'est ce que j'appelle une chambre bien rangée. Oui. Et si on se cachait là? Oui. Après toi, Poc. Je crois qu'ils m'ont laissé un indice. Entrez. Bonjour. Pardonnez-moi de vous déranger, mais vous n'auriez pas vu deux petits zèbres dans les parages par hasard? Oh, dites donc. Mais c'est un magnifique portrait. C'est très ressemblant. Eh bien, c'est que j'ai un modèle qui est très patient. Oh, un miroir! Eh bien, c'est difficile de peindre un autoportrait sans cela. Mais c'est difficile de le tenir en l'air et de peindre en même temps. Je peux peut-être arranger ça. Oh, ce serait vraiment très gentil. Oh, depuis combien de temps on est là? Très longtemps. On abandonne? Non. Papy a dit qu'il faut être patient si on veut gagner. Et moi, je veux gagner la récompense. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait, ton papy? Il a peut-être encore oublié le jeu. Et si on ouvrait juste un peu la porte pour voir ce qu'il est en train de fabriquer? D'accord. Et voilà, alors voyons voir. Tadam! Plus besoin de tenir votre miroir. Oh, merci beaucoup, c'est parfait. Papy, qu'est-ce que tu fais? Tu étais censé nous chercher. On jouait à cache-cache, tu te souviens? Désolé les enfants. Une fois que je commence à bricoler, j'oublie tout le reste. Oui. Bon, le jeu est terminé. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Voyons voir. Un, deux, trois. Et comme je ne vous ai pas trouvé moi-même, je crois que vous avez tous les trois gagné. Oui. Eh oui, excellente partie du cache-cache. Vous avez été très patient. Vous méritez une récompense qui est... Oui. La récompense est...
Un portrait des trois champions de cache-cache, bien sûr. Youpi! Je crois que j'ai une idée de costume pour nos jeunes champions du camouflage. Eh bien voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh! On ressemble vraiment à des champions de cache-cache. Même qu'on peut disparaître à n'importe quel moment. Mais alors, mais où sont-ils passés? Ah, je vois, c'est une nouvelle partie de cache-cache. On est là! Zou et les extraterrestres. Oh, c'était notre dernier film sur les extraterrestres. Tu crois qu'ils pourraient venir un jour sur Terre, papy? Ça, c'est difficile à dire, Zou. Tu sais, l'espace, c'est très grand. Ils nous rendront peut-être visite un jour. Ils seront gentils, tu crois? Oh, oui, j'en suis sûr. Ils voudront tout savoir sur nous, les zèbres. Super! En attendant qu'ils passent nous voir... Tu viens, Elsie, on va jouer. D'accord, amusez-vous bien, les enfants. Attrape. Oui, c'est là, tu la rattraperas pas. Je t'ai eu. Oh. Oh, waouh. Tu as vu ça? Oui. Les extraterrestres. Je vais chercher papy. Dehors. Tu en es sûre, Zou? C'est peut-être juste un avion qui vole bas. Non, ça ne ressemblait pas à un avion. Allez, viens, papy. Il est parti par là. Qu'est-ce que vous manigancez, les enfants? Maman. On a vu un grand vaisseau spatial avec des extraterrestres dedans. Pour l'instant, je ne le vois pas, Zou. Il faut aller le chercher. Tout de suite, j'ai envie d'être amie avec eux. Peut-être qu'ils nous feront faire un tour dans leur vaisseau. Maman, je peux aller chercher les extraterrestres? Bien sûr, Elsie, tant que tu restes avec papy. Merci, maman. Amusez-vous bien. Viens, on va faire à manger aux extraterrestres. J'espère que tes nouveaux amis ont bon appétit. Oh oui, mamie. Ils viennent de très très loin. Ils doivent être affamés, les pauvres. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, Zou? Je ne sais pas quoi dire à un extraterrestre. Je dois lui dire bonjour, monsieur l'extraterrestre ou madame l'extraterrestre? Je suis sûre que tu pourrais dire, voyons, par exemple, bonjour, je m'appelle Zou. Bienvenue sur Terre. Puis faire une petite révérence, comme ça. Parfait, bravo. N'importe quel extraterrestre serait ravi d'être accueilli comme cela. Super. Allez, Elsie, il faut aller chercher papy. Papy, on a les casse-croûtes. Tiens, Zou, ton kit de découvreur d'extraterrestres. De découvreur d'extraterrestres? Tu as un appareil photo et puis une caméra, des jumelles, une loupe et un carnet et un stylo. Merci, papy. Allez, Elsie, on va chercher les extraterrestres. Oui. Ils ont peut-être un peu peur de nous. On doit leur montrer qu'on veut être leurs amis. Mais on ne sait pas où ils sont. Il faut commencer par chercher leurs traces, comme dans les films. Oui, leur vaisseau laisse des traces de brûlés par terre. Ici, je ne vois rien. Pas de traces du tout.
Il faut qu'on ait une stratégie. Elsie, tu vas les enregistrer avec ça. Et toi, Papy, tu utiliseras les jumelles pour les voir s'ils sont trop loin. Ah, bonne idée, Zou. Moi, je prendrai des photos et des notes. Suivez-moi, allons par ici. Pas un bruit pour ne pas leur faire peur. C'était quoi ça? Par là, Zou, je viens de voir bouger les buissons. Waouh, si ça se trouve, c'est eux. Vous imaginez la première rencontre zèbre extraterrestre. Peut-être qu'ils flottent au-dessus du sol. C'est pour ça qu'on ne voit pas de traces de pas. Oui, ça c'est possible. Ils ont peut-être grimpé à un arbre. Ils peuvent être n'importe où. Essayons les parterres de fleurs. J'ai vu un film où les extraterrestres aimaient les fleurs. Peut-être qu'ils peuvent changer de couleur. J'ai vu ça dans un autre film. Couleur extraterrestre 5. Ah oui, je l'ai vu moi aussi. Ils prenaient la même couleur que les fleurs. Ah mais oui, je m'en souviens. Ils étaient attirés par leur parfum. Ils devraient se plaire par ici alors. Chercher les extraterrestres. Oui, moi aussi j'ai un petit creux. Et si on sortait notre pique-nique, ils pourraient sentir nos casse-croûtes et se joindre à nous. Oui. S'ils sont timides, on devrait plutôt écouter. Oh non, j'ai laissé la caméra au pied de l'arbre. Vite. Oh, Elsie, la caméra a été allumée. On verra peut-être les extraterrestres. Oh, vous avez entendu? C'est un vaisseau spatial. Je note vaisseau spatial entendu, mais pas vu. Je me demande où ils sont passés. Peut-être sur les balançoires ou sur les tourniquets. Venez, on va à l'air de jeu. Regardez par ici, ce truc argenté, ça bouge, c'est un extraterrestre. C'est quand même petit pour un extraterrestre. C'est Pog qui a trouvé un morceau de leur combinaison spatiale. Photo d'un morceau de combinaison spatiale d'extraterrestre. Hein? C'était quoi? Cachons-nous. Bonjour, Zach. J'ai cru que t'étais un extraterrestre. Nous, on a vu un grand vaisseau spatial argenté. Où est-ce que tu l'as vu? Il était quelque part par là. Ah, c'est là que Puck a trouvé un morceau de combinaison spatiale. Super! Bonjour. Bonjour, oncle Xavier. Tu cherches des extraterrestres, toi aussi? Zach et Monsieur Zoé ont vu leur vaisseau spatial. Ce n'est pas un vrai vaisseau spatial, Zou. Ça y ressemble, mais c'est un ballon d'air chaud. Il était amarré, mais il s'est détaché. Il faut à tout prix que je le retrouve. Et je le cherche partout. Mais on a entendu un pshhh comme les vaisseaux spatiaux. Les ballons, ça fait pas pshhh. Il doit y avoir une fuite et l'air s'échappe en sifflant, ce qui explique ce bruit qu'on entend. Mais ça, c'est quoi alors? Un morceau du ballon, tout simplement. Alors, il n'y a pas d'extraterrestres? Pas d'invasion? Non, pas aujourd'hui en tout cas. Regardez, le voilà! Là-bas! Mon ballon! Mon ballon! Oh. Hein? Et mon ballon! On te tient, oncle Xavier! À l'aide! Oui! Oula! Oula!
Merci beaucoup, tout le monde. Pour vous récompenser, je vous invite au spectacle de ballons. Super! Approchez, approchez tous. J'ai quelque chose à vous montrer. Je vous présente mes amis extraterrestres. Bonjour, je m'appelle Zou. Bienvenue sur Terre. Je ne savais pas que les extraterrestres savaient danser. Bonjour, Zou de la Terre. Je m'appelle... Tante Zelda. On cherche des adhérents au club spatial des zèbres. Vous voulez vous inscrire? Oh oui! Moi aussi! Moi aussi! Maintenant, vous êtes tous des zèbres de l'espace. Ouais. J'espère qu'un jour, il y aura de vrais extraterrestres dans le club. Et ce jour-là, je serai prêt. Zou et le concours de Château de Sable. Quelle belle journée! On ne pouvait pas rêver mieux pour notre concours. J'ai hâte de voir tous ces beaux châteaux de sable et de les départager. Tu feras une très bonne juge, mamie. Tu vas me laisser gagner. Dis donc, Zou. J'ai dit ça pour rire. À l'époque, on va chercher ma pelle et mon seau. Et voilà, Zou. Merci, papy. Oh, et on aura aussi besoin de ça. En route. Merci, mon chéri. Je vais faire un gros château de sable avec plein de tourelles. Moi, je vais faire un château de contes de fées. Bonne idée, moi aussi. Oh, et ben moi, je vais décorer le mien avec de jolis coquillages. Ah oui, moi aussi. Oh, j'ai quelque chose d'autre à mettre dessus. Oh, notre petite Zinnia est si créative. Certains des châteaux de sable qu'elle a construits sont tout simplement merveilleux. Je n'en doute pas. Mais je suis certaine que tous les châteaux seront superbes. Moi, je vais faire le plus beau château de sable de toute ma vie. Les enfants, le concours de château de sable va bientôt commencer. Règle numéro 1, amusez-vous. Souvenez-vous que vous pouvez décorer vos châteaux de sable avec tout ce que vous désirez. Vous avez jusqu'à midi, puis ce sera l'heure du pique-nique. Oui! Et les adultes n'ont pas le droit de vous aider. Vous êtes prêts? J'ai dû laisser tomber ma pelle. Comment je vais faire mon château maintenant? Avec un coquillage, Zou. Tu n'as qu'à en trouver un gros. Super idée, papy. Hein? Ah. Non, trop petit. Trop petit. Merci, Pog. Non, trop petit. Regarde toutes ces petites bêtes. Ah, tu as vu? C'est très intéressant. On reviendra plus tard. J'ai un concours de château de sable à gagner. Je vous rappelle que les adultes n'ont pas le droit d'aider les enfants. C'est très bien, Elsie. Super! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est parce que ton sable est trop mouillé, Zou. Rajoute un peu de sable sec. Oui, comme ça, Zou. Bravo! Je ne l'aide pas vraiment. Je sais que c'est contraire au règlement.
Ma petite Zinia est une véritable artiste, même avec le sable. Je suis sûre qu'elle va gagner le concours. Certainement, Zelda. Mais gagner, ça ne fait pas tout. L'important, c'est que les enfants s'amusent. Oh, ben moi, ça me fait plaisir de passer une journée à la mer. C'est si bon de pique-niquer. Et maintenant, ma surprise. Des fées pour mon château de contes de fées. Oh! Excusez-moi, madame la juge, c'est permis de mettre des jouets sur un château de sable. Oh, mais oui, comme je l'ai dit au début, on peut décorer les châteaux comme on veut. Ne t'inquiète pas, Zinia, je vais aller au magasin te chercher de jolies lumières. On n'a pas le temps, papa. Le concours se termine à midi. Alors je vais t'aider, ma petite puce. Xavier, non. Bon, eh bien, les adultes ont le droit d'aider les enfants maintenant. Oh, chouette! Allez, Zou, on va construire le plus beau château de sable. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Elsie? Des coquillages pour décorer les murs, ce serait super. D'accord. Merci, maman. On peut mettre les touffes du château Zou et ici, Zach. Oh, bonne idée, papa. Et nous, on peut mettre nos touffes là, Zinia. Il faudrait quelque chose pour décorer. Et servons-nous du coquillage, Zou. Ça fera un très joli motif. Ah oui, c'est bien ça, papy. On va en mettre partout. Oh, tu pourrais faire pareil, Zach, pendant que je travaille sur les douves. D'accord, papa. Ça a l'air, ça suffit. N'oubliez pas que nous sommes là pour nous amuser et que seuls les enfants auront un prix. D'ailleurs, ils vont finir tout seuls. Mais les douves, je ne les ai pas encore finies. Maintenant, elles le sont. Désolé, je n'ai plus le droit de t'aider, Zou. Ce n'est pas grave, papy. Je peux y arriver tout seul. Parfait! C'est bien ma fille, ça. Elle a de la ressource. Tu sais, papy, il me faudrait un petit détail en plus pour mon château, comme Elsie et Zinia. Et Zou, tu n'as pas apporté de jouets. J'ai bien aimé la petite mare avec les bêtes dedans. Je peux en faire une dans mon château de sable. Ah ça, alors c'est une très bonne idée. Oui, mais il faut que je trouve quelque chose pour empêcher l'eau de sortir. Merci, maman. Tout est prêt, papy. On peut retourner à la petite mare maintenant. Je vais prendre cette étoile de mer. Et ce coquillage. C'est une moule, Zou. Et ça, une palourde. Et ça, c'est un petit poisson. Ça, je le savais, papy. Je vais prendre ces galets et les mettre dans la mare de mon château. Zinia, tout simplement merveilleux. Et maintenant, une photo souvenir du château gagnant. Oh, papa! Regarde ce que t'as fait! Désolée, ma chérie. Je te promets que je vais me rattraper. Tu pourras avoir tout ce que tu voudras. C'est pas grave, papa. Je sais que tu l'as pas fait exprès. Mais maintenant, je suis éliminée du concours. J'aurai pas le temps de construire un autre château de sable. Zinia, si tu veux, tu peux toujours m'aider à finir le mien. Ah, merci, Zou. Avec plaisir. Ça, c'est très gentil, Zou. Trop.
Très joli, Zach. Bravo. Merci. Ces fées sont vraiment magnifiques, Elsie. Merci. Zinia et Zou, votre petite mare est ravissante. Merci. Les douves ne sont pas mal non plus. Oui. Tout le monde s'arrête maintenant. Je vais annoncer le nom du gagnant. Merci à tous. Bien sûr, tout le monde a gagné, mais le prix revient à Elsie. Oui. Hein? Merci. Bravo, Elsie. On fera mieux l'an prochain. Bravo, Elsie. Ton château de contes de fées est vraiment magnifique. Merci, Zinia. Oh, Xavier. Regarde ce que tu as fait. Papa! Tout ça, c'est la faute du crabe. Regardez. Reviens. Reviens, si je peux pas. Le tapis magique. C'était une super histoire, Elsie. Moi aussi, je voudrais un tapis magique, comme Aladdin. Avec le même motif tourbillonnant. Si on avait un tapis magique, nous aussi, on pourrait voler n'importe où. J'ai une idée, Zou. Et si on faisait un vœu pour en avoir un? Oh oui! Nous voudrions un tapis magique comme celui d'Aladdin. Hein? Mais je ne vois rien du tout. Tu crois que notre vœu n'a pas marché? S'il a volé jusqu'ici, il est peut-être dehors. Allons voir. Regardons derrière. Bonne idée. Bah, il n'est pas là non plus. Peut-être que c'était trop demandé. Allez, on n'a qu'à jouer au ballon. Ce vieux tapis de Nanou est bien usé. Oui, il est temps qu'elle en ait un neuf. Elle a dit qu'elle voulait qu'il ait disparu à son retour de vacances. Bon, allez, mettons-le dehors. L'association vient le chercher tout à l'heure. Voilà. Ici, ça ira. Le chauffeur pourra venir le récupérer. Parfait. Nanou sera si contente qu'on s'en soit débarrassé. Oh, Elsie, regarde. C'est le tapis magique. Notre vœu s'est réalisé. Waouh, Zou. Attends. Il ne faut pas lui faire peur. T'es sûr qu'il est magique, Zou? Je veux dire, on dirait rien de plus qu'un vieux tapis. Chut, tu vas lui faire de la peine. Il a le même motif que celui d'Aladin. Tu vois, notre vœu a fonctionné, Elsie. Waouh! Il est forcément magique. Faisons-le voler. Tapis magique, transporte-nous au parc. Peut-être qu'il faut le lui demander gentiment. Tapis magique, s'il te plaît, transporte-nous au parc. Et si je tirais dessus? Elsie? Zou? Je vous ai préparé de la limonade fraîche.
Ah oui, ça m'a donné une de ces soifs d'essayer de faire voler le tapis magique. Allons-y, moi aussi j'ai soif. Tenez les enfants. Merci maman. Merci. Mais pourquoi ne veulent-ils pas? Je ne sais pas, mais on va réussir à le faire voler. Ou alors je ne m'appelle plus Zou. Ah, vous ne pouvez pas venir chercher le tapis aujourd'hui. Oui, oui, je comprends. Merci de nous en avoir informés. Au revoir. Voilà qui est embêtant. Bon, je ferais mieux de le mettre ailleurs avant que quelqu'un ne trébuche dessus. Je vais devoir l'emmener à l'association caritative moi-même. Hein? Elsie! Le tapis magique! Oh? Il vole! Tapis magique, vol. Il faut peut-être le pousser. Comme pour les voitures, quand elles ne démarrent pas. Baguette magique dans mon kit de magicien. Ah oui, une baguette magique pour un tapis magique. Essayons. Où est-elle passée? Je suis sûre qu'elle était là-dedans. Oui, je l'ai trouvée. J'ai hâte de voir si elle fonctionnera. Viens, Zou. La camionnette de l'association ne peut pas venir aujourd'hui. Alors je vais apporter ce vieux tapis à leur magasin en ville. Alors ça, c'est une très bonne idée. À plus tard. À tout à l'heure. N'a même pas touché le tapis magique. Elle doit avoir beaucoup de pouvoir. Et si on essayait de le refaire voler? Vol, tapis, vol! Zou, tu sais, tout à l'heure, on n'avait pas la baguette quand il a volé. Alors, ce n'est peut-être pas grâce à elle. Mais alors, si ce n'est pas la baguette, peut-être que notre tapis magique ne fait que ce qu'il veut. Ou peut-être qu'il a besoin de se reposer un peu parce qu'il est vieux. Bonjour les enfants, vous voulez un goûter? Oh oui, papy! Il pourra se reposer pendant qu'on mange. Bonne idée. Et voilà. Merci, papy. Merci. Mais enfin, qu'est-ce que le vieux tapis de Nanou fait encore ici? L'association n'a pas dû en vouloir, en fin de compte. Merci, papy. À tout à l'heure. À plus tard. Amusez-vous bien. Oh oui, papy. On va voler sur notre tapis magique. Un tapis magique? Regarde, notre tapis s'est écrasé. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Ça a l'air d'aller. Vol, tapis magique, vol! Bah, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Essayons une formule magique comme abracadabra. D'accord. Abracadabra! Oh, s'il te plaît, vol, tapis magique! Peut-être qu'il est timide et qu'il ne veut pas voler devant nous. Vol, tapis magique! Oui, vol! Ah, voilà où était passé le vieux tapis de Nanou.
Le tapis de Nanou? Oui, j'étais censée l'apporter au magasin de l'association. Mais il a volé! Volé? Ah oui, je comprends mieux. Il a dû s'envoler de la galerie de la voiture quand la sangle à bagages s'est détachée. Mais on avait fait le vœu d'avoir un tapis magique et il est apparu. Et il a le même motif que celui de mon livre. Ah, eh bien oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vraiment magique, Zou. Pourtant, on l'a vu voler à côté de la haie quand on buvait de la limonade dans mon jardin. Ce n'était que moi. La camionnette de l'association ne pouvait pas venir le chercher, donc je l'ai emporté au fond du jardin. Oh, mais alors il n'est pas magique. Eh non, j'ai bien peur que non, Zou. Mais il s'est écrasé contre le mur quand il a volé du fond du jardin jusqu'ici. C'est moi qui l'ai posé contre le mur, mon petit Zou. J'ai été surprise de le voir, je croyais que papa l'avait emporté au magasin. Alors il ne vole pas? Eh bien, il y a peut-être une solution. Et voilà, vous pouvez maintenant vous asseoir dessus ensemble. Allez hop, allons-y. Attention, c'est parti. On avait fait le vœu d'avoir un tapis magique et notre vœu a été exaucé, il est vraiment magique. Abracadabra. Zou et le pompon monstre. Les garçons, vous avez l'air d'avoir des soucis avec le tricot. Oui, mamie, je n'arriverai jamais à tricoter quelque chose à vendre pour la kermesse. Tu sais, ça prend du temps d'apprendre à tricoter, Zou. C'est trop difficile. On aurait peut-être mieux fait d'aider mon père à installer les stands. Ou aider papy et papa à vider le garage. Oh! Je m'en occupe, Poc. On a besoin de vêtements pour la vente de charité de la kermesse. Si vous voulez, vous pouvez peut-être m'aider à trier quelques affaires dans mon armoire, les garçons. Oui. Oui, avec plaisir. Alors, tous ces vêtements-là, je les garde. Et ceux-là, je les donne. Ah, je suis Zou, le justicier à la cape. Et moi, Zack, admirez la puissance de ma casquette magique. Pas si vite, Zack. Zou, le justicier à la cape, est à ta poursuite. Allons, allons, les enfants, faites attention, s'il vous plaît. Oh, désolée, Nanou. Je vais devoir recoudre ça, c'est ma plus belle cape. C'est tout doux et tout moelleux. Oui, ça s'appelle un pompon. D'ailleurs, c'est très facile à faire. Vous avez envie d'essayer? Il nous faut une paire de ciseaux, de la laine et du carton. Oui, s'il te plaît, Nanou. Ah, bon, mais je n'ai pas de carton. On va demander à papa. Viens, Zack. Papa, papa. Oh, Zou, Zack. C'est gentil d'être venu nous aider à vider le garage. On trie du bric-à-brac pour la kermesse. Non, on vient vous demander si vous avez du carton. Du carton? Je pense que nous en avons mis au recyclage tout à l'heure. Génial! On en a besoin pour faire des pompons avec Nanou. Ah, je vois. Mais moi aussi, elle m'a appris à en faire quand j'avais votre âge. Ah, moi aussi, j'ai appris avec Nanou. Voilà, ils sont là, les gros bouts de carton. Merci, papa. Parfait. À plus tard. À plus tard, Zou. Amusez-vous bien. Eh bien, vous vous êtes bien débrouillés. Nous pouvons faire beaucoup de pompons avec tout ce carton. J'ai une idée. Si on en fabriquait pour la kermesse. Oh oui, Nanou, c'est une super idée. Oui, génial. Merveilleux. Pour commencer, nous devons découper des ronds dans le carton. Voilà. Pourquoi tu fais des trous au milieu, Nanou? Oh, pour faire passer la laine à l'intérieur, Zou. C'est comme ça qu'on donne aux pompons leur forme arrondie. Tenez, je vais vous montrer comment on fait. Ensuite, vous essayerez. Voilà, comme ça.
Ce n'est pas moelleux? Non, pas encore. Un peu de patience. Pour l'instant, il faut continuer à enrouler la laine autour des ronds, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir le carton. Mais comment ça va se transformer en pompon? Attendez, je vous montre. Ah! Voilà. J'attache ce bout de laine ici. Et toi, tu vas sortir le carton en tirant dessus. Maintenant, donne-lui du volume. Oui, c'est tout moelleux. Oui, et les pompons, c'est beaucoup plus facile à faire que le tricot. Je sais, on n'a qu'à en faire plein d'autres. Bonne idée, Zach. Très bien. Oh, bravo, les enfants, vous en avez fait beaucoup. Vous savez, vous pourriez faire des animaux avec ces pompons. Si vous voulez, je peux vous donner de la feutrine autocollante pour faire les visages et les pattes. Ah oui, merci, mamie. Voilà des yeux. Sauf qu'il fait pas peur du tout. C'est parce que c'est pas un monstre, mais un pompon monstre. Et maintenant, voici la danse du pompon monstre. Pom, 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 pom. On va devoir faire beaucoup de visages et de pattes pour tous ces pompons, mamie. Ne t'inquiète pas, Zou, j'ai encore beaucoup de feutrine. Bonjour tout le monde! Vous avez faim? J'ai préparé des petits gâteaux pour la kermesse et je vous en ai gardé... Génial! Merci maman! Ah, j'aime beaucoup ces jolis petits pompons! Ce sont des pompons monstres! Ça me donne une idée! À tout à l'heure! Peut-être que si vous fabriquiez un pompon monstre géant, nous pourrions le proposer comme grand prix pour la tombola de la kermesse! Excellente idée, Nanou! Je vais prendre un grand carton! Oh, il n'y en a pas! Allez, viens, Zach. Papa en aura sûrement, lui. C'est tout ce qu'il reste comme carton, Zou. Je vous ai déjà donné les plus gros morceaux. Oh, mais ce sont des tout petits bouts. Désolée, mon chéri. Bonjour, Zou. Bonjour, Zach. Bonjour, Elsée. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez venir jouer? On ne peut pas jouer maintenant, Elsée. On va fabriquer un super gros pompon monstre. Enfin, on voudrait en fabriquer un, mais il nous faut un gros morceau de carton. Je crois que je peux vous aider. Attendez-moi ici. Alors, Elsée, c'est toi qui te caches derrière cette boîte? C'est le carton de notre machine à laver. C'est maman qui vous le donne. Génial! Merci, Elsée. Viens le fabriquer avec nous. Il va être super grand. Oui! À plus tard! Waouh! Cette fois, notre pompon monstre va vraiment être monstrueux. Vous faites comme tout à l'heure, les enfants. Vous faites passer le fil de laine par le trou à l'intérieur du rond. Je peux passer le fil comme ça. Voilà les yeux et le nez. Il lui manque des pattes. Il est tellement gros qu'il pourrait sûrement mettre une de mes vieilles paires de chaussures. Et voilà deux pattes pour le pompon monstre. Waouh, mais il est énorme ce pompon monstre. Ce sera le grand prix de la tombola. C'est une super idée. Maintenant, venez voir ce que j'ai fait de mon côté. Ils ont l'air délicieux. Ce sont vos petites créatures qui m'ont inspirée, contente qu'ils vous plaisent.
Bon, montez prendre vos pompons monstres, on va à la kermesse. Papa et papy sont déjà partis installer le stand. D'accord, maman. Allons prendre nos monstres. Ils ont l'air délicieux. Je vais prendre 3 de ces petits gâteaux monstres. Et moi, j'en voudrais 2. Maman, je peux avoir un monstre tout doux, s'il te plaît? Bien sûr, Zinia. Oh, mon neveu va les adorer. Tu vois, mamie, si on n'avait pas essayé de tricoter, on n'aurait jamais eu l'idée de faire des pompons. Exactement, Zou. Parfois, les meilleures idées sont aussi les plus simples. Venez tous par ici. C'est l'heure de la tombola, avec un prix très spécial, un prix gigantesque, un prix impressionnant. Le plus grand de tous les pompons monstres. J'espère que le gagnant va bien s'en occuper. Oh, j'aimerais bien le garder. Et le numéro gagnant est... le numéro 11. Oh, c'est moi! J'ai gagné, Zou! Oui! Je vais garder le pompon monstre géant pour toujours! Oui, enfin, si tu peux le faire passer par la porte de ta chambre!